Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec les news PES et MyClub du 27 juin. On arrive tout doucement sur cette fin de saison avec les derniers players of the season. Donc voilà la dernière équipe boost à mon avis pour cette saison. Donc on va aller voir de toute façon tout de suite de quoi c'est fait. Voilà avec Mbappé, Rashford, De Ligt, De Jong. Voilà et on peut se poser la question à certains joueurs qui auraient peut-être mérité d'y être. On va de toute façon aller les voir ensemble dans le détail. Mais voilà donc dernière fois de la saison. N'hésitez pas, allez-y, lâchez vos pièces sur ces packs-là, voilà, allez prendre vos trois tirages si vous le pouvez, parce que, à mon avis, ça va, il n'y aura pas beaucoup mieux dans les semaines à venir. Mais en attendant, ne croyez pas que c'est la fin de saison, parce qu'il y aura encore des compétitions en ligne, il y a pas mal de choses qui vont se passer, il y aura notamment les World Finals, voilà, qui auront lieu ce week-end, il y a aussi les finales PES MyClub qui auront lieu au cours du mois d'août, donc voilà, il y a encore des choses. Bon, en attendant, aujourd'hui, on va aller voir ces 8 joueurs boost, hein. Moi, j'aurais toujours pas compris la logique, voilà, il y a 4 équipes de 8 boosts, là, bon, là, ce sont des jeunes prometteurs. Écoutez, ce sera peut-être mieux l'année prochaine. Voilà, donc la star, clairement, de ce pack, hein, bon, c'est Mbappé, c'est clair. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, ce sera, de toute façon, le joueur à avoir, je pense. Il monte jusqu'à 99 une fois boosté au niveau max, avec 6 en forme, pas mal de techniques. Donc, vraiment, le top du top, voilà, Mbappé, hein, c'est costaud, que ce soit en AC ou en ID, c'est très bon. Voilà, Rashford également pas mal. Moi, je suis pas fan du joueur perso, donc bon, je vais pas trop espérer. Après, voilà, c'est assez grand, assez complet, donc il peut être intéressant. De Ligt, forcément énorme, extraordinaire. Hein. Je l'ai déjà en boost, monté à 94, c'est de la tuerie. De Jong, voilà, profil également très intéressant. Les bonnes techniques, la passe en une touche, blocage de balle, des choses techniques. Voilà, il y a un bon pied, un bon mauvais pied. Voilà, c'est bon, c'est très bon, voilà. Ensuite, le joueur de la Roma, bon, lui, zéro technique, donc moi, c'est le joueur que je vais éviter dans ce pack, hein, clairement, voilà. Keane, voilà, également aussi pas fou, donc on va essayer, on va éviter d'aller en Italie, hein, les amis. Moi, je trouve pas ça génial, voilà, de ce côté-là. Après, on va pas faire la fine bouche, c'est tous des joueurs qui montent à 93 au minimum pour Arthur, les autres, je crois, tous au-dessus de 95. Voilà, Joao Félix, vous le connaissez, hein, lui, monte à 97. Arthur, voilà, moi, je le trouve vraiment intéressant, il a un bon profil, il est bien complet, voilà, avec également des techniques, la passe en une touche qu'il faut bien. Une petite interception ou un truc en plus, ça aurait été le top, mais là, c'est déjà pas mal, voilà, vraiment intéressant, moi. Donc voilà, on va aller faire un tirage, les amis, allez. On va vraiment juste éviter, si possible, d'aller en Italie. Allez, c'est y part. Allez, où est-ce qu'on va? Et ouais, on va en Italie, forcément, je me fais de me taire. Allez, ok, ouais, moi, skin. Bon, voilà, c'est un attaquant qui peut monter très haut, de toute façon, on va le tester, hein, je ne l'avais pas encore. Donc on va aller voir, on va les tester et puis on verra si c'est bon. Voilà, si c'est bon, ben on va investir dessus, on va le monter, etc. Ça apportera peut-être un profil un peu différent au niveau de l'attaque. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche. En tout cas, moi j'espère pour vous, notamment hein, pour ceux qui n'ont pas de lire de Jong, vous ayez un drapeau français qui s'affiche, un drapeau hollandais pardon, qui s'affiche, ou aussi un drapeau français avec Mbappé. Voilà, donc ça me paraît pour moi les tirages les plus intéressants de ce pack. Hein, voilà. De toute façon, c'est super, c'est des joueurs qu'il faut monter. Donc voilà, maintenant c'est les derniers Player of the Season, voilà, c'est fait. C'est fait, hein. Je sais pas, peut-être qu'il y aura encore des équipes sponsorisées, etc. Mais maintenant, il n'y aura plus de boost dans les semaines à venir, voilà. Mais par contre, ça va être orienté au niveau de la compète, hein, voilà, pour aller chercher les grands vainqueurs de cette saison. Voilà, là, il y a les packs à 25 000, hein, pour ceux qui commencent et qui n'ont encore pas de grosses équipes. Investissez vos GP là-dedans, hein, je le répète assez souvent toutes les semaines. Mais allez-y, allez-y, vos GP, c'est dans les packs, vos pièces, c'est dans les boosts. Voilà, au niveau de l'agent japonais, n'investissez pas de pièces non plus. Si vous devez vous prendre un joueur, prenez-le avec des recruteurs. Voilà, au niveau des compètes, hein, voilà, donc on a un match, le One Match Challenge, donc qui est pas mal. On va prendre les 20% de GP en plus en ayant une équipe, un joueur pote. Voilà, après, il y a une compète super, voilà, 3 étoiles qui est également super intéressante. Au niveau du hors-ligne, on va avoir, on va aller voir ça tout de suite également. On a le défi légende, hein, deuxième cette semaine. Je vous ai concocté la semaine dernière une vidéo à ce sujet. Allez la voir, si vous avez des problèmes à battre cette équipe légende, à battre Lyon en légende, allez faire un tour, ça vaut le coup, je vous en promets. Enfin, j'espère en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc allez voir ça, si ça peut vous aider, voilà. Au niveau des autres compétitions hors ligne, ben voilà, il y a la petite compétition où on gagne un agent, voilà, entraîneur de position par contre, entraîneur de technique, etc. Donc voilà, hein. Au niveau des compètes, voilà, pas forcément de grosses choses, mais voilà, cet agent légende qui est super intéressant. Voilà les amis, donc on arrive tout doucement sur cette fin de saison, on se retrouve de toute façon très vite pour des tutos ou peut-être encore des news, mais on verra aussi de toute façon sur PES 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, moi ça me fait plaisir, et aussi supporter nos amis Neocam, Sousma Kabil pour ce week-end. Voilà, force à eux, courage pour avoir un nouveau champion du monde encore français. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, amusez-vous bien sur ce PES, sur les compètes en ligne. On se retrouve très vite, c'était Fatalbox, abonnez-vous, ciao ciao.